Donc la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, Dieu merci, ça va. Et à la santé, on remercie le bon Dieu. Voilà ce que je voulais dire à Colonel Doumbouya. Vous avez enlevé Alpha Condé parce que le peuple en avait marre maintenant de voir la façon dont il gérait le pays. Et ça s'est passé devant vous. Vous avez vu que vraiment, parce que là où il était là, c'est la honte qui était dans son visage. Donc vous vous êtes arrangé là-bas pour lui faire quitter. Et ce que la population ne voulait pas de lui, toi aussi tu ne vas pas venir traîner dans le même bout. On ne va pas te laisser faire. On ne va pas te laisser faire. 11 ans dans la souffrance. Quitter dans ça aussi. Toi qui es venu, au lieu de faire les choses pour au moins donner la joie que tu avais donnée là, toi aussi tu viens, tu veux augmenter sur ça. Tu penses que nous, on va se taire? On ne va pas se taire sur ça. On va parler. Je vais parler même parce que je parle de moi-même. Je vais parler ça matin, midi, soir. Je ne connais pas pour les autres là. Parce que il y a des Guinéens qui sont là. Quand ils sont assis là, ils voient les choses qui ne sont pas bonnes. Dès qu'ils sont dans vos groupes là-bas, là, ils changent. Ils vont prendre le même uniforme là pour porter. Nous, on ne veut pas uniforme là maintenant. On veut le vrai uniforme. On veut le vrai uniforme. Votre uniforme satanique là, votre uniforme que vous portez là pour fatiguer la population. Moi, je ne suis pas dans ça. C'est l'uniforme là que ça doit changer. Ça doit changer. Votre comportement esprit là, nous on n'est pas dans ça. C'est ça là qui doit être changé. Et toutes les personnes, je dis ça à mes parents qui veulent que la Guinée change. Vous qui voulez que la Guinée change là. N'importe quelle personne qui était dans le groupe là. Si vous l'acceptez parce qu'il est venu vous parler ou bien il vous donnait de l'argent. C'était là, c'est pas son propre argent. C'est notre argent qu'il prenait pour vous donner. Donc si vous regardez ça, pour aller encore voter pour quelqu'un qui vous a mis à terre, ce qu'il va vous montrer encore, ce qu'il va vous montrer encore, ça va passer devant nous ici. Parce que toute souffrance qui est au pays là aujourd'hui, ce n'est pas les sous-sous seuls qui prennent ça, ce n'est pas les malinqués seuls qui prennent ça. Ce n'est pas les forestiers seuls qui prennent ça. Ce n'est pas les peuples seuls qui prennent ça. C'est tout le monde. Et il n'y a pas palabre entre nous. Parce que les gens sont voisins là-bas. Ils ne font pas palabre. Ils sont d'accord entre eux. Si vous ne pouvez pas prendre l'amour de ça là, ensemble, pour voter pour quelqu'un qui peut venir développer le pays là pour nous, vous allez regarder seulement l'argent. Vous avez beaucoup bouffé l'argent là. Ça vous a envoyé où? Ça a changé votre vie? Ça a changé la Guinée? Toujours tebra fa tebra siga. Tebra fa tebra siga. Ça a changé le rythme. Regardez maintenant quelqu'un qui est là pour vous donner les bons travails là. Pour vous donner le courant que vous pouvez utiliser matin, midi, soir. Peut-être quand ça part là, il y a un problème qu'on peut arranger au moins dans 2 ou 3 heures. Après, vous avez le courant matin, midi, 24 heures sur 24. C'est quelqu'un comme ça là que vous devrez voter maintenant pour lui. Pas quelqu'un qui va venir vous donner l'argent et puis ils sont là à profiter.
Ils ont fini de profiter, c'est même l'argent-là qu'ils vont venir encore vous manipuler. Ouvrez vos yeux là cette fois-ci. Ouvrez vos yeux là cette fois-ci. Là où on est comme ça, ce n'est pas l'affaire des choses ethniques. Maintenant, on doit se donner la main pour choisir quelqu'un de bon. Pour choisir quelqu'un de bon, c'est ça qui est la vérité. Tous les groupes sales qui étaient là-bas, là, on ne doit pas les regarder. Doumbouya est venu rentrer dans le même bout. Moi, je n'ai plus le temps maintenant de lui dire chose. Soutenons jamais. Je ne vais pas dire ça maintenant. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Mon combat, là, continue. Matin, midi, soir, ça continue. Jusqu'à vous allez prendre le vrai chemin. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous êtes habitué à vivre dans le mensonge là. Vous êtes habitué à manipuler la population. Ça ne peut pas se continuer dans ça. On veut maintenant le vrai changement. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. On vous a dit ici, troisième mandat, on n'est pas dedans. Troisième mandat, on n'est pas dedans. Vous avez volé le pouvoir là. Et je vais vous dire une chose. Je vais vous dire aujourd'hui une chose. La clé de la Guinée là. La clé de la Guinée là. Pour que nous les Guinéens, on soit heureux. Cet homme qui va nous donner ça, c'est le président Selou Dalé. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Je suis Thomas. Je ne dis pas ça parce que je lui supporte. Mais, moi que vous me voyez là, je vois loin. Et écrivez ça aujourd'hui, vous allez mettre. Tant que vous ne donnez pas le pouvoir là à le propriétaire, même si c'est 2 ans qu'il va faire ou bien 3 ans, pour qu'il quitte là, la Guinée, même si vous prenez pour donner à quelqu'un d'autre, la Guinée ne va pas changer. Ça va revenir sur le même pied. C'est ça que je vous dis. La vérité que je vais vous dire aujourd'hui, c'est ça. Tant que vous ne donnez pas le pouvoir là, à le président Selou Dalé, tant que vous êtes là à voler ce qui appartient, vous qui sont dans ça là, vous n'allez pas avoir la paix du cœur et tout ce que vous allez rentrer dedans, ça ne va même pas quitter ici et puis aller ici. Parce que malédiction est derrière vous. Malédiction des peuples d'abord. Ça seulement, ça est derrière vous. Et puis, vous êtes là encore à faire souffrir l'homme de Dieu. Ça fait 2. Donc, tout ce que vous allez rentrer dedans là, c'est-à-dire, rien ne sortira dedans comme bon. Rien. Parce que vous êtes habitué avec ça. Les bonnes personnes qui sont toujours là pour régler les choses comme ça se doit, vous les mettez toujours à côté. C'est ça là qu'on doit sortir dans ça. Tant que vous êtes dans ça là, vous qui sont dedans là, vous ne pouvez pas aller devant. Rien ne peut arranger. Regardez colonel Doumbouya. Il est venu. Tout le monde était content. Mais il était dedans, il était assis, il regardait les choses comme nous on est assis aujourd'hui, on regardait les choses. L'argent c'est doux. Mais il faut prendre la vérité. C'est ça qui est bon. Il faut suivre la vérité. Ce qui est vrai là, il faut mettre ça sous le point. Ce n'est pas toutes les vérités qu'on met à côté.
colonel Lumumba. C'est pas toutes les vérités qu'on met à côté. Mettez dans vos têtes que le pays là en a souffert beaucoup. Mettez dans vos têtes que les femmes sont aujourd'hui en Guinée là-bas, que leurs enfants ont quitté dans la souffrance là pour venir rester dans l'eau. Ces femmes-là sont là-bas assises aujourd'hui. Ils préfèrent la mort que de vivre. Parce que tout simplement, vous avez mis le pays-là dans cet état. Parce que tout simplement, la souffrance a poussé certaines personnes d'abandonner la Guinée, d'aller rester. C'est les autres dans la misère. Et pourtant, vous pouvez mettre la Guinée sur le point. Mais vous voulez profiter sur le dos des populations. Vous préférez mentir à la population, manipuler certaines personnes dedans pour pouvoir seulement gagner votre avantage. Mais là où on est arrivé là, moi je ne vais pas vous laisser le temps. Les gens qui vont prendre, parce que vous êtes là, même nous qui sommes sur les réseaux sociaux, quand vous voyez que quelqu'un est en train de parler bien, vous allez tout faire pour lui enlever sur le bon chemin il est. Moi, je ne suis pas là pour cesser place. Ma petite vie que je gagne ici, là, je vous ai dit que ça me suffit. Mais je vais me battre pour les pauvres mamans. Je vais me battre pour les innocents qui sont au pays. Je vais me battre pour les pauvres qui n'arrivent pas à gagner le manger. Je vais me battre pour eux. C'est ça qui est la vérité. Donc, organise-nous les élections. Nous, on va quitter ici. Organise-nous les élections. C'est tout ce que moi, je peux te dire. Tout ce que tu es là à te mettre dedans, là. Il faut quitter dans ça. Ça ne va pas. Les gens que tu es là à l'air, écoutez là. C'est un semen qu'ils t'ont mis là. Pour qu'ils puissent gagner leur temps qu'ils n'ont pas terminé. Donc si tu ne sors pas dans ça, pour nous organiser l'élection là, la fin, le semen qu'ils t'ont mis là, quand ils arrivent à la fin, ils vont te montrer leur vrai visage. Que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Donc tout ce que moi je peux te dire, il faut organiser l'élection pour que les choses changent au pays. Parce que toi, tu ne pourras pas changer ça. Il faut qu'un nouveau gouvernement vienne, qu'on puisse voir encore le travail qu'il va faire. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes là à traîner dans les choses qui ne servent à rien. Pour vous faire occuper seulement. Tromper l'apparence des peuples. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Le pays là a beau souffert. Ça ne peut pas aller comme ça. Donc, organise-nous les élections. Organise-nous les élections. C'est ça que moi je peux te dire. Matin, midi, soir. Il faut nous organiser les élections. Tu n'es pas venu. Ce qui est là-bas, là, tu ne peux pas faire. Donc, le travail que tu dois faire, il faut te mettre sous ça. Tu vas organiser les élections pour nous. C'est tout ce que je peux te dire, colonel Doumbouya. Moi, tu m'as déjà déçu. Je suis quelqu'un, je supporte quand tu es sous la vérité. Mais quand tu quittes sous la vérité, je vais faire comme si je t'ai jamais apprécié. Parce que l'affaire de la Guinée, là, on est fatigué. La population est fatiguée. Vous les affaiblissez pour venir leur voir. C'est-à-dire, vous êtes là, votre jeu est là. C'est pour
c'est pour créer la souffrance sur les populations pour que vous puissiez les gagner. Parce que quand il vient trouver quelqu'un qui est très, très, très fatigué, sauf les hommes de Dieu qui sont dedans, qui veulent leur dignité, qui ne vont pas vous suivre. Mais c'est comme quelqu'un qui a trop faim. Tu viens lui proposer quelque chose. Si ce n'est pas quelqu'un qui veut sa dignité, il va vous suivre. Donc, votre comportement là, je vais dire ça à les peuples. Parce que vous avez duré dans ça. Alpha Condé et ces groupes-là, c'est leur habitude. Créer la souffrance pour que vous puissiez les manipuler. Et il faut que ça s'arrête. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Arrêtez ce comportement. La Guinée, c'est pour nous tous. Chacun de nous doit en bénéficier. Même si tu ne travailles pas dans le gouvernement, mais si les routes sont bien faites, tu as le courant 24 heures sur 24, les nourritures sont bien moins chères au pays, tout ça là, ça rend le pays doux. Allez-y au Nigeria. Ils cultivent là-bas beaucoup. Si c'est mangé là, quand ils rentrent au Nigeria, c'est versé là-bas comme ça. Nous, on a la terre. Jolie terre comme ça là. Toutes les sommes que vous êtes là à voler, à détourner, même pour prendre l'argent à donner à les pauvres villageois, de cultiver au moins les denrées vont devenir au moins un peu moins cher. Ce que nous-mêmes on fait, c'est nous. Pour qu'on a ça au moins. Tout ça là, c'est difficile pour vous. Tout ça là, c'est difficile pour vous. Il y a des choses importantes qui sont là que vous pouvez faire face à ça. Vous ne voulez pas ça. C'est pour venir nous parler des choses qui ne servent à rien. Nous, on ne veut pas attendre ça. Les peuples ont attendu ça pendant 11 ans. Rien n'a changé. Vous ne pouvez pas venir encore continuer sur la même chose. On ne veut rien attendre maintenant. C'est quoi on veut attendre là? Tu organises élection et que le président que le peuple veut, il va venir s'asseoir pour qu'on puisse voir son travail aussi. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas continuer dans le chemin là. À chaque fois même chose. Quittons dans ça maintenant. Quittons dans ça. Ça ne vous donne rien. Ça ne vous donne rien si ce n'est pas la souffrance. Si ce n'est pas la souffrance. Donc, changez beaucoup. Changez. Vous qui sont là à rendre les choses difficiles, là, quittez dans ça. Ça ne peut pas marcher. Le peuple qui est là, vous avez poussé, hein? Ils sont maintenant à la fin. Ils sont maintenant à la fin. Donc, si vous ne changez pas, le jour qu'ils vont révolter là, tu sais, quand tu manipules quelqu'un jusqu'à... Il va comprendre que tu lui manipulais là. Vous connaissez des gars de ça, non? Donc, le peuple qui est là, il a marre maintenant. Vous ne pouvez pas continuer sous le système là. Il est déjà au courant de tout ça là. Donc, le peuple ne veut pas sortir sous la rue. Si vous ne changez pas, si vous ne prenez pas la route que parce que vous connaissez très bien ce que le peuple veut. Vous ne pouvez pas dire que ce que le peuple ne veut pas, que vous ne connaissez pas. Vous connaissez très bien. Quand vous allez vous mettre sous ça là,
vous allez voir comment les choses vont être. Mais si vous ne voulez pas vous mettre sous ça, les malhonnêtes qui sont parmi nous là, ils vont faire avec vous, hein, mais les fils dignes qui sont dedans là, pourquoi vous avez fait ça? Donc, tout ce que je peux te dire, colonel Doumbouya, organise-nous les élections. Et cette fois-ci, pas à voler. Si vous voulez, là, prenez les gens. Ils n'ont qu'à venir être candidats. Ils vont accompagner le président Selou Dalé. Normalement, c'est parce que les gens, vous aimez compliquer les choses. Troisième mandat là, tout le monde a dit qu'ils ne sont pas dedans. C'est vous les gourmands qui sont là aujourd'hui encore en train de faire les choses que vous avez fait. Dieu vous a fait renier. Vous voulez toujours forcer les choses. Sinon, normalement, vous avez enlevé Alpha Condé là. C'est le président Selou Dalé qui devrait s'asseoir. Mais vous êtes là à mélanger tout. Nous, on est là, on vous regarde. C'est que le peuple veut là. Si le peuple ne voit pas ça cette fois-ci, pas de vol cette fois-ci dans ça là. Déjà, le peuple qui est là, il connaît qui est qui. Il connaît qui est qui. Il connaît qui est capable de faire quoi. Donc, il n'y a pas beaucoup de paroles dans ça. Il n'y a pas beaucoup de paroles dans ça. Tous les gens qui parlent s'asseoir aujourd'hui, c'est les gens qui vous ont manipulé, qui vous ont mis en retard. Mais vous levez pour aller faire l'escroquerie là-bas. Allez-y faire l'escroquerie là-bas. Ça, c'est votre problème. Vous êtes toujours les enfants de Satan. C'est ça que moi, je dis. Je vous calcule comme ça. Là. Parce que quelqu'un qui est là, qui ne voit pas la vérité, qui contrôle la vérité, c'est l'enfant de Satan. Comme Satan a dit à Dieu que je vais pas rentrer seul dans l'enfer. Donc, c'est vous comme ça, Satan rentre dans vos corps pour aller déranger tout. Donc, tout le monde ne sont pas comme ça. Allez-y, maningancez là-bas. Parce que Satan est déjà dans vos corps là. Nous, Satan ne peut pas nous attraper. Parce qu'on est croyant. On croit à Dieu. Et on connaît la vérité. On connaît qui peut faire le bon travail dans ces pays-là. On connaît qui est capable. Donc, la famille, tout ce que je peux vous dire. La Guinée, c'est pour nous tous. Ne regarde pas seulement parce que toi, tu as intérêt dans la force de quelqu'un qui n'est pas propre. Mais tu préfères aller lui suivre juste parce que à côté de lui, ta poche sera remplie. Il faut regarder quelqu'un qui peut te donner quelque chose. Yeah, mami. Yeah. Yeah, I get two. Yeah. I put one over there and one is in the table. Thank you. Donc, c'est ça la famille. Excusez-moi, je suis au travail. Donc, ouvrez vos yeux là. Vous avez toujours pensé à votre poste là. Enlevez ça dans vos têtes. Suivre quelqu'un qui peut te donner quelque chose que tu peux utiliser, ton enfant peut utiliser, tes parents peuvent utiliser, tes petits-enfants peuvent venir utiliser. C'est ça. Le monde qu'on a aujourd'hui là. C'est les personnes qui sont capables de faire quelque chose en Guinée qu'on doit voter pour eux. Pas les gens qui ne peuvent pas nous faire quitter ici, envoyez-nous ici. C'est ça qui est la vérité. Donc, ouvrez vos yeux là cette fois-ci. C'est votre fille qui vous parle, matin, midi, soir. Là où on est là, souffrance là, c'est tout le monde qui prend. C'est pas l'affaire d'Etini. Quand il rentre dans les quartiers là, Madame Kourouma, quand il quitte au marché, il va dire à Madame Diallo, « Ibrahima Kiti Toto de Anana Kine, ils vont faire ça entre eux là-bas. »
Moi, j'ai payé poisson, c'était CRD. Donc, Madame Camara aussi va dire à Madame Lama, hé, Ibra, tu as vu aujourd'hui le massé, comment ça est? Donc, dans le quartier, ils vont se parler comme ça. Il y a l'amour là-bas. Il y a pas quelque chose de mal entre les populations. Donc, vous êtes là, vous allez vous dire ça. Donc, ouvrez vos yeux là. Quelqu'un qui peut venir faire tout pour que vous soyez satisfait, c'est quelqu'un comme ça là que vous devrez voter pour lui. Pas quelqu'un qui va venir voler l'argent, vous donner un peu, mais toujours ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à gagner ça. 11 ans, ce n'est pas 11 jours. Quelqu'un qui a été premier ministre à côté de Alpha Condé, ils n'ont pas pu faire quelque chose. C'est lui qui va se présenter et que vous allez venir encore regarder. Moi, je vous regarde. Ne ouvre pas vos yeux cette fois-ci. Ne ouvre pas vos yeux cette fois-ci. Là où la Guinée est là, c'est pour nous tous. Il n'y a pas à faire d'ethnie. On doit choisir quelqu'un de bon. Donc, enlevez l'affaire d'ethnie là dans vos têtes. Ça, ce n'est pas le moment où on est maintenant aujourd'hui. On veut quelqu'un de bien. C'est tout ce que je peux vous dire, matin, midi, soir. Vous qui sont là à mettre tête mort, là, je vous ai bien dit que moi, je ne vous calcule pas. Parce que on vous paye. On vous paye. Et c'est vous les gens qui sont là à parler, pour mettre palabre, pour toujours diviser. Parce que vos choses, comment dire, les gens que vous êtes là à les supporter, c'est leur comportement. Ils ont mis le peuple dans cette situation. Moi, je ne vais pas vous calculer. Est-ce que vous me comprenez? Et je ne suis pas comme vous. Parce que vous avez mis la Guinée dans cet état, divisé et régné. Ça vous a envoyé quoi? Si ce n'est pas la honte. Si ce n'est pas la honte. Ce que RPG ne disait pas hier, là, c'est maintenant qu'il dit. J'ai regardé live de le jeune Malinké. Là. Son nom est écrit en arabe, là, je ne comprends pas. Quand j'ai entendu parler RPG qui disait Soussou peut être président dans RPG, Peul peut être président dans RPG, chose, comment dirais-je, Forestier peut être président dans RPG. Si RPG commençait comme ça là, si RPG avait mis ça dans sa tête au début, là où on est, on n'allait pas être aujourd'hui là-bas. C'est ça qui est la vérité. Là où on est aujourd'hui, on n'allait pas être là-bas. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez venir nous dire. Même si RPG va, le nom RPG là même, c'est pour Alpha Condé. Donc, il est parti. C'est pourquoi je vous ai dit, allez-y, vous arrangez d'abord et cessez un bon candidat. Et changez le nom de RPG. C'est ça qui est la vérité. Parce que le nom là d'abord, c'est un nom qui ne va même pas donner courage à quelqu'un de rentrer dedans. Ça, c'est un d'abord. Moi, je vais vous dire la vérité. Alpha Condé est parti. Si RPG doit vivre, leur groupe là n'ont qu'à vivre. Si vous voulez que les autres ethnies soient présidents dedans demain, changez le nom là. Parce que c'est un nom de malheur. 40 ans, c'est ce pouvoir. Tu viens, tu fais 11 ans, tu n'as rien fait. Qui va rentrer dedans? Et puis, organisez-vous bien. Vous avez vu partie de Selou Dalin, le président Selou Dalin. Regardez ces vidéos. Quand il est là à faire réunion, tout le monde est assis. C'est tranquille et puis posé. Les choses se passent bien. Mais dans RPG, là, façon dont vous avez mis la Guinée dans pagaille, là, c'est comme ça que vous êtes désordonné dans vos sièges là-bas. Quand vous commencez les choses, tant que palabres ne sont pas dedans. C'est un parti comme ça là qu'on va faire confiance encore pour donner le pouvoir. Parti qui n'est pas organisé, parti qu'il y a palabres dedans. Ouvrez vos yeux là, la famille. C'est tout ce que moi je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire. Un parti qui n'est pas organisé,
qui ne commence pas quelque chose sans palabre, ces parties-là que vous allez prendre pour mettre à ces couturiers, moi je suis là, je vous regarde. Mais tout ce que je peux vous dire, donnez-nous la main, c'est l'union qui fait la force. Là où on est arrivé là, arrêtez de penser à vos postes. Mettez dans notre tête que on a un travail à faire. Et le travail, c'est pour développer la Guinée. Parce qu'on est en retard. C'est pour changer beaucoup de choses en Guinée. Parce qu'on est en retard. C'est ça qui est la vérité. Même le président Sélouda Lenk que je supporte matin, midi, soir. Demain, quand il est à Sékou Touré là, je ne vais pas partir là-bas pour dire que j'étais supporté pendant combien d'années. Moi, je veux ma poste. C'est quelque chose que je vais cesser qui va avancer le pays. C'est ça. Vous qui sont là aujourd'hui, même à côté de Doumbouya là, pour aller faire Nyarimara là-bas là, prenez votre propre projet, vous allez envoyer. Au lieu d'aller encore mendiant, faire mendiant à côté de lui pour aller cesser, on vous donne l'argent là. Le projet, on ne voit pas le projet, rien. Prenez votre propre, vous êtes là, vous parlez. Vous êtes assis à l'extérieur ici. Au lieu d'aller travailler, au moins mettre des petites sommes à côté, demain vous allez prendre votre propre argent là, aller créer quelque chose, le gouvernement puisse vous aider maintenant dans ça. Mais vous voulez toujours prendre là-bas. Ça ne peut pas avancer encore un pays. Donc ouvrez, Doumkoulné Doumouya, tu es assis là-bas là. Il faut voir encore ce côté-là. Moi, je ne vais pas te mentir. Tu es mon frère. On a quand même affaire de président à côté. De toute façon, donc, j'ai galéré en Guinée avant de venir en extérieur là. Tu es passé dedans. Tu es passé dedans avant de venir en France. Donc, tu connais. Nous, on ne peut pas être là pour te faire rappeler matin, midi, soir. Parce que tu connais ce qui est là-bas. Et tu connais la solution. Si tu ne peux pas changer les choses pour nous, il faut organiser les élections. Tu pars continuer ton boulot tranquillement. Et le pays commence à aller comme le chemin que nous avons vu. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Donc la famille, merci pour le partage. Donnez-nous la main. C'est l'union qui fait la force. La Guinée, c'est pour nous tous. Personne ne pourra arranger la Guinée pour nous si ce n'est pas nous-mêmes. Donc, il faut que nous, les populations aussi, on arrive à se donner la main pour dire non à le mensonge, pour dire oui à ce qui est oui. C'est ça qui est la vérité. Parce que si on ne se donne pas l'importance, le président qui va venir, il ne va pas nous donner aussi l'importance. Donc, il faut que nous aussi, les populations, on fait notre effort. On dit oui ensemble. On dit non ensemble. C'est ça qui développe un pays. Halina denareto. Halina borinaran e kuito. Histoire bébé na etagi. Mais enaiki. Misefera e rabori. Rafé Enaiki. Enaiki ne. Enanara. Eraborina yare. C'est ça qui est la vérité. Nanara eraborina yare. Parce que Enaiki. Emu. Migyo lumane. Ira sende. Paga irababe. Ira paga irababe. Donc, parce que Enakolo ha emuji bori protézé et c'est comme un mindé. Donc, mon temps la Guinée, car mon nom mané mourra ou mourra luna kiné. Mourra luna kiné. Nanan bori sera mané yari. Alabé. On a ancien caractère luna na histoire na rambara dangi abra dangi. Ou ya fawo bore ma. Mourayareto,
ala ko generation na ram fa fe ki anaka fa atoyi ki ne na mon fa na mon fa anya mbolo de nyoma bene jamana la bena bi bene jamana jamana la wala nyofe alu meno sini europe ni amerika lo ya no aika ila jamana lo foni aigban san london ka kolunya iraka ayere nya ya no me aluto son mon siya ila jamana to ko fe ni anka banko menkela alu ire kan ne ola bena yere nya ka ira anu london na ka foko alla jamana ni tetolonke fendi ay sini alombe ay nya ya la suni tele munante sana jamana ke lati munna ayanya na kunya mboyani jamfani juya le jamana la wala nyefe bene jamana la wala nyefe fanye bene ka kekelendi parce que an de ma fene an ka kan ka ben ka la wala nyefe wole yetunya di tunya ba yero mena yebla noro via fana ba yero mena yebla noro nan ka ben oma la Guinée be sanje so ma dala jona jona mais tant qu'à ma ben oma la Guinée toa nye fe tu nya yeme no wole onya donc ne da nan kakayete kake nupo la Guinée kaba ka gu po maha la Guinée kaba ka gu po maha gle la Guinée kaba ka gu po maha dna kawo he lo kakaye nyubo yenga ka kakama paske mwe goro mbe kle la nkolo nya ela ngagbulu bulu mane ka guha ka guto ka gwolwe taman to maman ba yilbe gala ba kpin da holo gamuka nga ke hwane ntanga ka duku ye galo ba gogbole yilwe paske yi nga galwe lwe ta kpin nga hupul yi nga ga mnwe nge gazu nga ga ka gwolwe ka bu men kati gu ka la d'habitude go hie me ho gu olo ete toko nya gbalo ba la Guinée ho rokle ni lo pe ma ke to to fa pol te toko parce que ya ta le toko lo e ka pla ka ge fa pol te to hali milliard ba je ku lo la e serie lo la la Guinée fa pol te toko parce que ya to na ya ka famille hu ne kle ko no jala nga ye ya ta le toko ya polo wa veni kpetele ya pol e ni ama man kpetele mentama kati donc kawa go aguyete gu kenu po u la gne ka ba ka gu po ma han mane ka gu no e totowo nyae la gne kle e gbel e ka pa ke ma we bla bokli atala ko lo le ke apolo buna le la apoli hada ta nya ne e hege kona kle yele wala po e lo 19 ver ko jal ko le foi wo kal pel le le menta nya ne de yilba e yi qur'an mu bin da horo menta nya ne de yilba ya kulo kono na ne menta nya ne de yilba ka jal ko no pa nya kali nga ke mekle de ka mana nge me na yil to no nge ka o ke nya lo yel ga la kle a wa ho ile wa ha ba ha gupol hamu na wala ka gupol ka o ka nya na bo ka o ka nyina bo ka nyava mene da nyinyo nga ti lela ga ka kwe yilbe alo e toto ka o ka yete ka o kenu po ka unu e toto ka unu e toto nyagba kenenge la Guinée ka ju hali miliare ma ke yekli kopa e blaga gwe plema yi ya ho po mate el nampo me nukle ake mho yilwa po yeli ya hada wolo koli kele ka pol po mate ka ken po iluhu iluhu ya la ho bolu yotono ya bolo ju horo kele fa pon pol enya ne ke ka nge ba guile hu ta ho pon ka guye yi la boro pu goro ke na pu goro ke na ha ka tono ka ba ba va mi pu hala nga ka ka go no eta to o mwe no ahi ya la diploma nga de be di ye duo koro ke o mwe de pol du koro nga ka ga ka ko ka wa ke kulo ko hwane bo lo be ku ka ju ku ka bo men nga de sanje c'est ça qui est la vérité
menga de sanje ka pou ka ka pou bonge 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 kwa golo hoke ya ko klo la gine ka ka ko klo la gine ka ben ka holo we le ka senegal ka pou ne ka pou ka pa ya m'oblige comme ya quel senegal ble bom ya hel frontière na bomo ka pa nya ka la e mananga a ku ka pou ni monnaie ka ka pa me la gine pou le boumé avant ka hel senegal mo pou le boumé di ka kaka lo pete senegal le me he nikle holo na bo ngi duo gidron na le ka tapo me ye manange jahana ma bengen kulo la golo mne ka o kanyi na bo ga ka kwe ka kwa ka boku oto polo be polo he ku ka bo mentama esanze pele ku ka bo mentama esanze la gine no me ka go panma ka go pol pan ka bo he mente te ngangula ya lo ha ma yir kenenge ka gu hilo facebook me ka gu meka kaka be ti jal ko awa ka no ko le kena nga bar nga mu kal ka he restaurant nga mu recreer kena le ke po bla ka ye yi ya dan na pata ka kaloni ka la yil nga ka ba yi nga ye li apele nga ple ke nga ka la o mo ka ka he la na wo ka gu ye jal ko na wo ka gu ye ko na kl da huna mentama ka la ka o ka la bu da buka ngai ka buma yi le kwa ka manangai ya lagine lo ga ma yi le ye manangai no yi nga pota ye ngai gri kala ya lu kan ka ka buto me ka kpal ngai nuwa nga kle huka la ka go ka yete ka ki no po yi nyo man be yi u ya be mlanga ga ba le e blanga ka ministre le ga wala e pel le ma to no ha ko ole he ye hwe ya be gange ye nabo aka aka ministre ube aka menta le ga gola mo ka go profiter ka go yikree ka go bol aka lata ku inga ka bo holo kle de ka men nga kreye ku wolo ka beti hein fix be ya glare el e paiwo no anga toluju kalu no kuru hiye gemenge ku inga lian da de klinga me ka dayinga kle kreye kle ya leba e wono tol vilas ka ya kalu no ka ye belo ka ya ka ka ke ko ka we ka ro pa ke le yi nyo gana ye kwe we bla ma ho fwe kali ya ai man ga ho fwe kali ya ko mo gon se parce que gaple ba me parce que ko lo ho ka go pol yir kle ka ti an wa lo yir hu a ka nu kle ka mo ye wa po ye le mo e ko le pe ne ye pai ka lo ka kuna bakale ya lo mu hali ni ma ka e toli telephone mu ya ka kuna mani ga ka la beti pe ka ma na ya ka doli mu telephone wa mu je nu wa ka ba kulo ha ba kulo na mu daga na mu ka pa pa no e he lu no ka na ba ma ne la ye vin to le la ya ba ni yi man ta ma ka ti kwa pol gle hu le ka la na da ni ka ka ye to ka ke po ka gula gni lo eto to il ba ba ni le yi ya nya la ni kle gbe ka ko ka ye nyu bo hu ka pa se ka ka ye nyu bo hu ka yel mo no ye de pele ta pen Donc c'est ça la famille. Donnez-nous la main, c'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. C'est tout ce que je peux vous dire. Que Dieu soit avec nous. Amen. Colonel Doumbouya, il faut nous organiser l'élection. Tout ce que tu es là à tourner autour de ça, on a vu ça. Le Guinéen a tellement vu beaucoup de choses. Donc, sortez dans le système là maintenant. Le système là n'est pas bon pour la Guinée. Sortez dans ça. Donnez le pays là à les gens propres. À les gens qu'on les a dit qu'ils ne sont pas capables. Donnez-les, on va voir s'ils sont capables ou pas. Ou pas. C'est ça le travail des Guinéens. Il ne peut pas faire ça. Vous avez vu déjà, il a essayé déjà, il n'a pas pu faire. Quitter dans ça, ça ne sert à rien.